Allez, on va peut-être se lancer. Donc le premier Outlast. Nouvelle partie, difficulté normale. Outlast connaît des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique, d'ordre sexuel et langage grossier. Bon amusement. Bon amusement. Tu connais des streamers qui font des jeux d'horreur? Je cherche, mais je trouve pas. Qui font que des jeux d'horreur? Honnêtement, Twitch, je connais pas grand chose sur Twitch. Ça fait vraiment seulement. Allez. C'est mon. Ça fait 2 mois et demi que je live sur Twitch. Donc ma connaissance de Twitch est vraiment limitée à ces 2 mois et demi, pour dire. Donc honnêtement, là, malheureusement, je pourrais pas t'aider. Je sais pas s'il y a des streamers qui sont spécialisés là-dedans, parce que le problème c'est que je pense pas qu'il y a assez de jeux qui sortent d'horreur. Ils sont obligés de se développer après sur d'autres trucs. Mais s'il y en a qui sont vraiment dans les jeux d'horreur, si t'en connais 2-3 qui sont des Français, moi je veux bien que tu m'envoies des noms. Hein. Vous incarnez Miles Usfur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier. Vous allez chercher à révéler les sombres secrets qui recèlent l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie et plus longtemps possible, enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive, de la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Ouh, ça commence bien. Ça commence bien. Il est dans le lien du live. Si t'es sur PC tu descends, si t'es sur téléphone tu switches la page sur la droite, normalement après t'auras des gros logos. Et normalement le Discord c'est une tête de loup. Il y a 2 têtes de loup. Si je me trompe pas, le Discord c'est une médaille en métal. Connaissez pas, il faut que je fasse vite, il me surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur le site de Murkoff Psychiatric System Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment même. Franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les troubles parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Les gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Faut dévoiler ça au public. Quelques petites piles. On recharge la caméra. Ouais. Ah bah, c'est le genre de jeu en plus. Outlast c'est un jeu qui est très connu, je sais pas si tu connais toi Badek. J'ai jamais fini, j'ai toujours fait le début, mais après honnêtement le reste, j'ai jamais fini le jeu encore. On va déjà recommencer parce que je sais qu'il faut qu'on trouve des piles. On a récupéré. Là j'ai trouvé la touche de sprint, c'est déjà bien. Ça c'est caméra. C'est Ragnarok.
Captain Marcel. Captain Polymusk. Quand tu es au poteau. Oui, j'ai commencé pas le mais le 2. Et j'ai pas fini, j'en ai marre. Oh putain. Bah le 2 je vais le faire après donc Comment il va Nico? Ok c'est par là. Ah bah Nico là, Ragnarok qui s'est présent, lui l'a fait. Donc on pourra mieux en parler, je pense. Coucou Captain, salut mon petit loulou. Bah ça va, j'y sors du taf, j'ai acheté vite fait une petite boîte KFC et voilà quoi. Le premier les plus flippants. Ah ben. Je sais pas. Ah bah après c'est le problème, hein, c'est que ils voient que le. Qu'il y a un épisode qui a marché. D'accord, c'est la lumière. Ils voient qu'il y a un épisode qui a marché, vite fait, ils veulent toujours en faire un autre. Hein. Des piles, ça c'est cool. Une pile de plus. Putain, Marcel, t'aurais pu laver un peu. Hein. Ah, Chacha a eu ses règles. Nico, t'aurais pu laver. Billy. Patient déclare avoir progressé avec des états de rêve lucide auto-induits. Activité moteur morphogénique, une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Spirométrie n'avait révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie, des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Non, le chat, c'est pas. Cherche ma bouffe. Ok, donc déjà, on commence avec des terribles Billy. Le 2 manque de muscles. Ah, pourtant, t'as la gonzesse qui te poursuit avec l'âge. Hein. C'est souvent les premiers qui sont les meilleurs. Un peu, ouais. Pas de problème, je vais pas t'emmerder. T'inquiète pas, je vais pas te casser. What? J'espère que c'est pas comestible. Hein. On dirait un morceau de testin. Un petit cola, s'il te plaît. À la vôtre. Ah, j'étais sûr. Eh, tu crois que je t'ai pas entendu? Oh, si tu préfères, regarde. Vu que t'es un peu plus vieille, on va dire que c'est Kimi. On va dire que c'est ta Kim. Ah, bah oui! La Tata Kimi avec ses... Regarde, et ça c'est les pas des petits schtroumpfs. La Tata Kimi. Oh c'est dégueulasse. Voilà. Putain, le dos d'araignée en plus, c'est... Le truc le plus stressant dans le jeu, c'est que ça commence dès le début.
Ah mais ça, tu vas dans, même là dans Tom Peter, les hurlements déjà j'ai fait gros yeux. Mais en fait c'est quoi? Faudrait que j'achète une dragonne pour manette, pour éviter de la lâcher par terre. Donc là c'est bloqué avec les queues d'air. Ah mais elle a carrément plus de tête. Belle sodomie. Tu crois que je t'ai pas vu arriver toi? Et pas du tout, mais en tout cas il devrait l'inventer pour moi. Je crois que c'est là que le gros méchant est passé. Oh, honnêtement je vais me prendre un point dans le cœur quoi. En 2 secondes là. Putain. Sachant que le pire c'est que chez moi là il y a tout d'allumé. Tu sais c'est pas comme si je commençais toi. J'ai tout allumé, j'ai l'écran devant moi donc tu sais je suis pas 100% plongé non plus dans le jeu quoi. Que sinon vous me verrez pas. Little pig. Oh putain. Oh c'est moche. Ça je m'y attendais bizarrement donc ça va. Une lumière. And who are you then? Un prêtre. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Lord, save the queen. Ah merde, j'ai oublié que tu faisais des patrons aussi.
Le truc qui me fout le plus c'est chiant, c'est genre tu rentres, tu te retournes et d'un coup t'as un mec c'est derrière toi là. C'est pire ça. C'est les frites basiques. KFC c'est les frites basiques. Bah si ça te dérange pas, là c'est pas vraiment le moment de parler bouffe là. Je suis pas sûr d'avoir vraiment encore faim. Ah putain, j'ai été sûr. Ils ont pris cher. Tu m'étonnes que je veux pas travailler en psychiatrie. Un truc qui t'a ouvert, trouveur. Bah, c'est ça. Priorité, c'est de se faire plein de piles pour être un peu plus tranquille. Je suis encore... gueule et tout, on dirait là, on dirait le début de l'évolution de la maladie dans Last of Us, hein, qui se transforme en champignon géant. Ah, c'est immonde. Ah, plus de panac.
mériterait de ses coups de latte, le mec. Respire. Ok, le plan s'en bat. Zamanak, salut à toi! Ça va. On commence à stresser, là on est en notre premier live spécial horreur. Sur le tout premier Outlast. Et je sens que j'ai pas fini de pleurer. T'as arrêté déjà deux petits trucs. Je crois qu'il y a. Ouais. T'as déjà arrêté deux petits coups de sang là.
marche, normalement il court pas. Putain. J'ai quasiment bouffé une pile complète dessus pour ça. Pas venu ouvrir la porte bizarrement. On va tenter. Sérieux? Putain mais... moi Après rien t'empêche Zamac de. Je crois que tu peux clipper sur les comment on appelle ça sur les Tu peux clipper je crois sur les rediffs. Je crois que tu peux clipper en rediff, ouais. Je crois.
C'est bon, t'es bien enfermé. Toi aussi, reste enfermé. Maybe. He looks nice. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Tidbit. You look like you've seen a ghost. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us. Place. Billy understood. They're in my blood if they want to get out. Putain. Mais t'as une gueule, mon vieux. Ravalement de façade, t'as pas réussi. Hein. Là, je sais plus par quelle porte aller. Sleep no more. Space. Alone. Leave me alone. Soprano mais en mal fait quoi. Mutation génétique. En fait, ils font des tests de trucs, en gros, c'est comme si t'avais le diable en fait qui a pris possession de la zone, quoi. Ils sont tous devenus fous, mutilation du corps, etc., etc., etc. Grosso modo, voilà le truc, quoi. Mais le truc qui est bizarre, par contre, je sais plus du tout. Comment ? Est-ce que c'est tout ? Caché hein, mais je te vois. They're in my blood if they want to get out. Non, en fait, toi, t'es un journaliste. On t'a envoyé une information comme quoi il y avait des trucs bizarres qui se passaient ici. Et comme bon journaliste, t'es venu pour voir ce qui se passait, quoi. Au lieu de fermer ta gueule et rester là où t'étais, bah toi, t'es venu comme un con. Sérieux, mais je passe par où, moi? Attends, j'ai raté un truc ou quoi en fait, je suis pas trop.
Là, je sais qu'il faut que je longe le mur qui est là. Bon, j'ai le mur, faut que je rentre des deux côtés. Là, je peux sauter d'une fenêtre pour longer. Toi, t'as... Eux, ils ont vraiment une sale gueule, quoi. Ok, y'a personne qui m'a poussé. Ça qui fait pas. Hein. Personne m'a poussé, mon personnage trébuche. Y'a rien pour se planquer. Voilà. Et t'imagines que ta seule lampe torche est ça en fait. En train d'enculer le cadavre. Nom de Dieu. Super, je fais une vidéo horreur après avoir eu deux décès dans la journée. Allez, zone de quarantaine. Regarde, ils ont fait des flèches étendues.
On va devenir fou. C'est Max. Non, KFC. KFC, KFC, c'est vraiment. Bah c'est, en fait, c'est le truc qui est sur ma route. Donc, de mon boulot à chez moi, c'est le truc qui est sur ma route. Ok, donc cette pièce-là, elle sert strictement à rien. Ah, mais d'accord. On y va pépé, hein, on voit pas trop. Il est dedans. À mon avis, je crois qu'il n'y aura pas le choix dans le sprint. Job-like in the suppression of our desires. But now, now we indulge. Yes, his tongue and his liver. Yours, mine. Hmm.
Sans quelle couille. J'en sais rien. la genre prison là où il faut qu'on s'échappe à les douches. On a vu les jumeaux. Là le gros lard qui nous a suivi. Il a sauté pour me choper le bâtard. J'ai absolument rien compris. Thank you.
con. Tu sais ce qui serait cool pour les jeux d'horreur, un truc en fait, c'est qu'il faut calculer la tension en direct live, ou tu sais, c'est le nombre de pulsations que tu as, c'est par minute, comme un saturomètre que tu prends, que tu mettrais, tu sais, qui serait connecté à ton boîtier, genre t'aurais le compteur en haut d'un écran pour voir, tu sais, quand le streamer est en train de paniquer. Comme ça tu verrais directement, tu sais, ceux qui font semblant et tout le reste, quoi. Triskel. Non. Point de sauvegarde. Je sais pas si dans le chat il y en a qui connaissent le. C'est bien le jeu pour nous dire à combien de temps de jeu on en est. Enfin, si on a bien avancé ou pas.
plaît. Donc il y aura des passages pour se protéger. Tiens, qu'il y a une couille qui arrive. Tu es au jaune. Tout droit au fond du couloir à gauche. Allez. Transpire déjà. De Dieu.
you still know it's real? Doctor's dead, you know that, right? Dr. Barrett died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? Salut les gars, c'est Edra, c'est le Mew, comment ça va? Merci de venir soutenir. Putain. C'est quoi? On va y aller. Hop. On va se mettre en mode bravoure. Deux secondes. Hein. On est en mode Koh-Lanta, on est bouffé des rats. Voilà les gars, oh putain c'est dégueulasse. On s'en bat les couilles, allez tiens, hop, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Allez, on est en mode Koh-Lanta, on est bouffé des asticots, on est prêt à déchiqueter, on met le son au maximum possible. Allez, je sais pas du tout où il faut que j'aille, par contre c'est bien. En fait, si j'enlève ça, bah rien du tout. Ouais.
C'est Vidares. Je ne sais plus comment sprinter. Oh, bâtard. Bon, oui. Ça va, Vidares? M'enflé, ma gueule. Écoutez, le bouton central de ma souris a lâché. Le bouton central lequel, celui qui sert à régler la sensibilité. Ouais, c'est pour ça. Attends. Showmax ou pas? Là, Showmax. Je vais garder un peu cette oreille-là libérée, sinon je n'entendrai pas quand vous mettez des musiques. Elle scroll. Ah putain, fait chier. Ah putain. Il est con, Mimimo. Cherchez partout. C'est Ragnarok. T'es les cons, l'autre est dans un hasard en plein milieu alors que j'étais en train de chercher partout, tu sais. C'est quoi ça? Ah d'accord, ouais d'accord, c'est je peux l'ouvrir et le fermer, ok. Musque, musque, musque. Ouais ouais, capitaine, tu vas flipper. Ouais, surtout que là je m'en vais pas du. Bouge pas. Bouge pas ta mère. Putain, j'aime pas quand ils font ça. Il y a du sang partout là, il y en a un qui vient de courir. Ça va. Un truc derrière ou quoi? Oh, le match est fini là. C'est comme quoi ils sont bien démerdés, les petits.
Les petits Suisses. Pour ceux qui s'intéressent, si vous avez division 1, il y a plein de cadeaux. Ouais, non, division 2. Quel genre de cadeau, c'est-à-dire quoi, tu vas pouvoir récupérer des affaires que tu avais déjà, ou c'est des objets du 1 qui ont été bloqués dans le 2, etc. Et moi je l'ai, donc il va falloir que je reprenne sur Xbox. Hein. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Nice! Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Ah, faut que je regarde alors. Faut que je réinstalle pour occasion. Mais tu l'as sur quoi, toi, Viz? Toi, tu l'as sur, PC, je crois. The mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. You're too new. Mais c'est le muscle! Bande de bâtards. Eh ben, j'ai pas encore les moyens. Hein? On a bien monté quand même, hein?
Puis si je rajoute les 150 euros de cadeaux pour mon anniversaire, donc on a quand même bien monté. On sera entre 200 et 300 euros à peu près. 270, je crois, à peu près. Donc, pas me plaindre. I'm not putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse Captain you Roulette, with all this. Le remplaçant professeur Roulette. Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit lazy. It's understandable. People get scared. There's like to turn to God as anything else. You know, God died with the gold scrap. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. There. Better now, right? Here's an OHEQ. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Yeah, poto. Elle vomito. Run for your life, run for your life, baby. Oh.
motherfucker! Try it! Try it! Ok, je suis dans le décor. Ok, voilà, super un bug. Regardez, mon personnage est en chute. Il a la position de la chute, comme quoi il est en train de tomber. Allez, viens là, viens me buter là. La chaîne des bugs elle continue. Putain. Et là que je suis passé à côté de lui. J'ai même pas vu arriver, j'étais passé à côté de lui et tout, en mode discretos. There, buddy. I'll be right with Outlast, premier du nom, photo.
Au premier des Outlast. Tout premier des Outlast. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Oh putain. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Thank you.
Ah merde, fils de bruit. Et on y retourne. Un esprit. Après les Billy. Have to get out.
l'impression d'aller plus vite que le jeu en fait. De l'Xbox. Je connais pas du tout par contre. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham. This way. Thank you.
recommence pas, Rani, recommence pas. C'est quand il est hors de la forêt? Ça. Il est hors de nature. Mais qu'est-ce qu'il est con. Ferme pas la porte, c'est carré.
Ah, qu'on a quand même un petit décalage, tu vois, ma cam elle est un peu en avance par rapport au live. Ah, tu vois, tout qui se contracte là, ça se contracte là. Moquez-vous, allez-y, moquez-vous. Il y avait le retour de Billy. Il est tout nu. Mais direct. Ah bah les 6 fois 1-1 contre le Brésil, ils sont très bien. Faire 1-1 contre le Brésil, ils ont dû bien s'effondrer.
Merci Thomas Mélina. Merci Thomas pour ton follow. Quel choc a fait le toit d'herbe. Putain, j'ai plus de caméra. C'est-à-dire faut que je regarde la lumière. Vous avez pas vu une caméra dans le coin? Une pile. Monte-toi de rat, monte-toi Renarok.
Peut-être René qui connaît bien par cœur le jeu. On a à peu près à combien de temps du jeu? S'accroche pas du tout. C'est ce passage-là que je te parlais. C'est après ça qu'on rencontre le marié ou celui qui est niqué ou je sais pas quoi, un personnage comme ça. Donc c'est à peu près là où j'étais, je t'ai dit la dernière fois. Par contre, je me demande comment on va traverser puisque là je peux pas sauter. Blue. Ouais. Je ferme ma tête là, la frayeur que je gueule. Ah, on a accueilli ses règles. Pourquoi j'ai choisi Outlast? Pourquoi? Thank you.
find the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Hey! Joker! I need your help! Qui est en train de jouer du piano, je crois. Avec l'impact, c'est misère à voir. Et Jojo, ça va? J'ai abaissé par contre qui est Julie à côté de moi pour ça. J'ai l'impression de me voir dans le premier film, c'est quand tu courais pour te barrer du mec à tronçonneuse, tu rentrais dans une pièce que tu bloquais et le mec il arrivait, il rasait toute la pièce avec sa tronçonneuse. Ah, ça marchera pas deux fois.
A retrouver Nico. L'orgue de Madams. Pas du tout par contre. Dieu déteste la monnaie, Dieu déteste la sickness. Oh, un enfant de cœur. Toi, c'est sûr et certain que le petit prêtre ne va pas te toucher. Non, dis-moi pas que j'ai accroché prêtre. Freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ah, c'est pratique. Attends, pour le moment dans le secteur. Le gars il pépère, il prie, le capitaine il rentre pas au jour, pas au revoir, quelque part. Ah, il est. Ta gueule.
Ah d'accord, je viens de comprendre. Ok, à toute Mio. Je m'en veux plus du tout. Est-ce qu'il faut que j'aille là-dedans en fait? Oh, c'est le temps que ça monte, c'est chiant. En plus, je vais te pisser. Ah ça oui, il y avait les militaires tout à l'heure. Je me rappelle même pas de ce que... Attends, petit point de sauvegarde. D'abord tout le terrain. Alors, hop, on va faire une mini pause de 2 secondes. Il faut que j'aille pisser. Mauvaise langue, va. Bon, c'est quand par contre, on a vraiment stressé là. Là, par contre, je m'en rappelle pas du tout de ce labo. À part la cinématique où le mec s'envolait. Attends. Ah, j'ai perdu un bras!
Ah bah non, elle est là. Oh, oh regarde, m'a coupé net. Sans bavure. Ok, Triskel. Ce truc que je suis content, c'est qu'il y a de la lumière. Je crois que j'ai jamais été si loin en fait. Je crois que c'était pas le train, c'était le médecin que j'ai dû faire. Que c'était derrière les étages. Donc ça, je l'ai pas fait Ragnarok. Donc là, honnêtement, je sais pas du tout où j'en suis. Mais longtemps ou pas longtemps? Ah d'accord en fait. Tout doucement, on n'a rien vu. Ah oui, à cause de Billy. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control.
life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must. Yeah, bah, dernier, je suis pas combattant, donc bon, c'est marrant, toi. Petite question, le petit gros, il est définitivement mort ou pas? René, tu peux me dire répondre ou pas? Le tigre est mort. Le médecin est mort, donc c'est-à-dire qu'il y a que les deux jumeaux et Billy. Ah mais on sait jamais, tu sais, ils ont fait des jeux plus tordus. Hein. Pas compris du tout ce qu'il fait que je fasse, mais lui alors. C'est après le trans encore ? Ça je l'ai pas fait cette zone là. J'ai sûr d'avoir vu le marié ou le trans ou autre comme ça. Alors c'est quand j'ai dû mélanger les persos. C'est avant la zone où on est, donc c'est-à-dire qu'on a réussi quand même à passer la zone. Parce que ça, là je peux dire le trans, je suis quasiment sûr et certain d'avoir vu, mais là c'est la première fois que je suis ici, donc ça peut que j'étais plus rapide que le jeu, hein. On se rapproche de la fin déjà? Ça dit quelque chose toi René?
C'est la première fois quand même qu'on arrive à zapper. À... Je savais même pas que c'était possible de carrément de zapper une zone. Il y a un truc là, non? Ah, c'est les piles. Ok. Moi j'étais sûr que le trans on le voyait à partir du moment où t'avais plus le, la caméra. Quand tu tombais avec la caméra, normalement c'était là où il te chopait, je crois, au vol ou un truc comme ça. Donc là on aurait réussi à le zapper complètement. Ah, Captain Bug, ça c'est jusqu'au bout. Hein. 300 km d'escalier plus loin. Là tu te rates, t'es mort là. Billy, donc c'est celui qui est dans la capsule en mode à l'envers quoi. Et c'est lui qui contrôle l'esprit. Bah mon vœu. Et imagine, sachant que la dernière fois on a fait 1h30 du jeu. Là si on finit le jeu, c'est-à-dire qu'on a fini le jeu en mode 3h. Encore peut-être pas. Hein. Donc c'est lui Billy là. Ouais mais quand même pour réussir à zapper un gros morceau du jeu, je crois que moi le plus chiant que j'ai eu, je crois que c'était le coup du je crois que c'est par là ou par là, c'est par là je crois. Donc le plus chiant que j'avais eu moi c'était le coup du balade du trans qui t'a pris pour son épouse ou je sais plus quoi là, je sais plus que dire c'était, et qui voulait te piner en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais, donc c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à cut une grosse partie du scénario. Et là, on peut se le permettre, je crois. L'ultra gamer qui fait bugger même des jeux qu'il devrait pas. Ah mais carrément.
Ah sérieusement, ça se finit comme ça. Eh ben, je suis un peu déçu quand même. Je pensais que qu'un peu plus de challenge. Ah 15 documents, sérieusement, regarde. Récupérer 15 documents et compléter 15 enregistrements. Il doit m'en rester, je pense, un ou deux à avoir, sérieusement. Et voilà. Jean-Ave, bienvenue à toi Jean-Ave. Bienvenue à toi sur l'app du Cat Angel.